on va voir une histoire qui est arrivée à Pierre, et où donc où il y a Jésus et ses disciples. Alors le titre s'appelle « La foi de Pierre s'enfonce ». Après une journée bien remplie, Jésus a besoin de prendre du temps pour être seul. Il demande à ses disciples de monter dans leur bateau. Et voilà comment se termine cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui, j'ai compris des choses. T'as compris des choses? Alors, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que Jésus est en descendant dans l'eau pour attraper l'homme qui coulait dans l'eau. Ah, ça, c'est certainement le plus important. Est-ce qu'il aurait laissé Pierre couler, se noyer? Non. Parce que c'est un homme de bon cœur. Et oui. Et est-ce qu'il aime que Pierre? Non, il aime toute la terre. Même ouais. Ceux qui ne lui croient pas en lui. Ouais. Il nous connaît chacun. C'est vraiment, toi, tu as retenu l'essentiel, Aaron. Alors, il nous propose de réfléchir. Jésus sait que je dois faire de tout petits pas alors que je grandis pour devenir comme lui. Quels sont les petits pas? C'est une image, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir et pour ressembler plus à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre Jésus? On peut croire à Dieu, non, à Jésus. Et faire de bonnes actions. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par croire Dieu? On doit l'obéir, on doit écouter ses conseils. Ouais. Alors? On peut prier. Ouais. Et on peut prier pour Dieu et on n'écoute pas le diable, on n'écoute que Dieu. Oui, ça c'est aussi une très bonne réponse. Et il faut apprendre le verset? Vous voulez apprendre un verset? Alors il y a un verset qui nous est proposé, que je trouve intéressant. C'est moi qui lis. Voilà, là ici. Souviens-toi, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail. Va les continuer jusqu'au bout. Philippiens 1, verset 6. Ça veut dire en fait que Dieu va jamais nous abandonner. Il va toujours nous connaître, il va nous aider à grandir et à faire des progrès.